La Corée du Sud a lancé une série de mesures pour contrer de possibles attaques terroristes de la part de son voisin, la RDC. La marine sud-coréenne dit avoir effectué des exercices conjoints avec les gardes-côtes jeudi pour contrer de possibles attaques en mer. Les exercices conjoints ont eu lieu en mer orientale. 9 navires de guerre, dont le destroyer de 3 200 tonnes, Gwanggaedo, le Grand, et le bateau de patrouille de 1 500 tonnes des cartes-côtes Gemini, participaient à ces exercices. L'agence de presse sud-coréenne Yonhap rapporte que l'armée désire aussi créer une unité armée additionnelle de niveau étatique.